Lundi 15 septembre 2014, bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Ouvrons ce journal avec le Cameroun. Yaoundé abrite désormais le Centre interrégional de coordination de lutte contre l'insécurité maritime. Cet immeuble a été inauguré le 11 septembre au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses délégations étrangères et africaines. Reportage de notre correspondant Mélanie BTB. Voici l'immeuble flambant neuf qui va désormais abriter le Centre interrégional de coordination de lutte contre la piraterie maritime. Un bâtiment de trois niveaux entièrement équipé qui n'attend plus que ses occupants. Cet édifice va accueillir la direction exécutive avec toutes ses divisions et services. Pour le lancement, c'est au colonel Abdourahman Dieng de nationalité sénégalaise que revient la charge d'assurer l'intérim à la tête de la direction exécutive. Les objectifs ont été définis, il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons 6 mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence, ensuite recruter du personnel. Au plus tard en février, le CIC justement aura donc atteint son niveau de croisière. Cette structure est l'émanation du sommet tenu en juin 2013 par les chefs d'État africains à Yaoundé, la capitale camerounaise, sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il s'agit d'une entité qui a ambition d'asseoir une synergie d'action autour de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la Commission du Golfe de Guinée et les partenaires au développement. Nous sommes ici pour harmoniser le soutien que nous voulons apporter au CIC et pour voir quelles contributions nous pourrons apporter aux travaux du CIC. Express my gratitude to his nous exprimons notre gratitude au chef de l'État camerounais et au peuple camerounais pour l'accompagnement qu'ils ont apporté aux trois organisations régionales et qui a abouti à l'inauguration de ces sièges du CIC. Pour nous, c'est un aboutissement des efforts conjugués avec l'appui du secrétariat général des Nations Unies et l'ensemble de nos partenaires. On the maritime security. C'est donc désormais d'une seule voix que les pays qui ont en partage le golfe de Guinée vont parler sûreté et sécurité maritime. Je voudrais rappeler que c'est le CIC qui est précisément chargé d'opérationnaliser cette stratégie sur le terrain. Il faut dire que le golfe de Guinée, qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, abrite d'importantes réserves pétrolières et halieutiques qui suscitent la convoitise des pirates. En 2011, par exemple, il a été enregistré 60 attaques de pirates dans les eaux du golfe de Guinée. En Côte d'Ivoire, le Cap UDD, parti de l'opposition proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, a organisé il y a 2 jours une passation de charge à la tête du parti à Abidjan en présence de certaines formations politiques, membres de la Ligue des mouvements pour le progrès. Le président sortant Gervais Koulibaly a intégré la commission électorale indépendante chargée d'organiser la prochaine présidentielle de 2015. Les précisions de notre correspondant en Côte d'Ivoire. La plateforme des partis de l'opposition réunie au sein de la Ligue des mouvements pour le progrès s'est réunie ce samedi 13 septembre à la Bibliothèque nationale à Abidjan Plateau à l'invitation du Cap UDD pour porter Mme Laurette Boquet à la tête du parti en remplacement de Gervais Koulibaly, nommé récemment comme deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante, organe chargé d'organiser les prochaines élections en Côte d'Ivoire. De manière symbolique mais puissante, je voudrais te remettre le symbole du parti. Il s'agit de la carte de la Côte d'Ivoire, avec à l'intérieur de cette carte notre symbole qui est le palier, prospère avec le parti partout. Je sais pouvoir compter sur toi et je reviendrai bientôt. Après le discours introductif du président, qui a donné les raisons profondes de la création de son parti et la passation des charges entre la nouvelle direction, Laurette Boueke, dans ses habits de nouvelle présidente, a placé des mots pour justifier la confiance placée en elle devant les élus, cadres et militants de son parti venus en grand nombre. Je m'engage donc, monsieur le président, ici, de tout mettre en œuvre
pour que le parti ait une chapelle, même dans les campements. Et pendant ce temps, Monsieur le Président, démontrez à la communauté nationale et internationale qu'en Côte d'Ivoire, les élections peuvent être organisées et que les résultats peuvent être proclamés sans qu'il n'y ait de crise post-électorale. Il faut noter que le CAP UDD est né, comme les autres partis politiques, de la Ligue des mouvements pour le progrès en exil au Ghana, dans l'objectif de participer aux Jeux politiques en Côte d'Ivoire. Restons en Côte d'Ivoire et parlons de nouvelles technologies avec la présentation de la première tablette nommée Kelasi. Elle a été conçue localement et présentée au public jeudi dernier à Abidjan. Le compte rendu de Roland Jacou. La Côte d'Ivoire entre dans le cercle très restreint des pays africains ayant conçu une tablette numérique. Elle a été présentée jeudi à Abidjan à un public qui a massivement répondu présent. Kelasi, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, est une tablette éducative. Acclamée par l'assistance, Thierry Ndoufou, concepteur du projet, a présenté son œuvre qui démontre la créativité une fois de plus de la jeunesse africaine. L'éducation, un des piliers essentiels dans la construction d'une nation, est restée à marge de cette révolution numérique, d'où la motivation du concepteur. Que la CIV contribue à l'émergence du secteur éducatif qui passe aussi par le numérique. Nous voulons participer à, je vais dire, l'émergence de citoyens mieux formés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, nous aimons les technologies, nous avons un savoir-faire dans les technologies que nous voulons mettre au service de tout le monde, et nous pourrons rendre service vraiment aux différentes nations si on peut s'attaquer directement à la base, à savoir l'éducation. Je pense que c'est extraordinaire voir des jeunes Ivoiriens se manifester de la sorte par la création, par l'invention de cette tablette. C'est à saluer et c'est salutaire aussi pour l'éducation, surtout pour nous les jeunes qui sommes à la croisée des chemins dans la recherche de nos repères. Donc nous pensons que c'est un bel outil qui pourrait éventuellement contribuer à notre formation et nous aider également à réfléchir et pourquoi pas nous aussi inventer d'autres choses. La tablette Made in Côte d'Ivoire démontre bien de l'ambition des Africains à participer à l'évolution technologique qui s'impose au monde. Les amateurs de tablettes attendent maintenant la commercialisation de Kelasi. L'Afrique du Sud a rendu un dernier hommage à Nat Nakaza, jeune intellectuel noir, journaliste et éditorialiste mort à New York en 1965. Banni par le régime de l'apartheid, sa famille n'avait pas été autorisée à rapatrier son corps. Il vient d'être réinhumé à Durban, en Afrique du Sud, en présence de ses anciens confrères et de sa famille. Aziz Maïga pour le résumé. L'Afrique du Sud a rendu hommage à Nat Nakaza près de 50 ans après sa mort et le refus du régime de l'apartheid de rapatrier son corps. À l'hôtel de ville de Durban, où le cercueil enveloppé du drapeau sud-africain transportant les derniers ossements du célèbre éditorialiste a été amené, ses anciens confrères, sa famille et ses amis étaient présents. Considéré comme un héros de la jeunesse et de l'intelligence noire, victime d'une période de l'histoire nationale brutale et déshumanisante, Nat Nakaza avait été inhumé à New York. Le retour de ses restes est une victoire pour ses siens et ses obsèques constituent une forme de restauration de cette icône disparue. Pour le porte-parole de la famille, c'est l'aboutissement d'un rêve. Nous avons le sentiment d'avoir fini, d'avoir atteint ce but dont nous rêvions. On nous a donné une place très élevée dans l'histoire du pays. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tous les Sud-Africains. Après une cérémonie largement retransmise à la radio-télévision publique et rappelant à certains égards les funérailles de Nelson Mandela en décembre dernier, Nat Nakaza a ensuite été conduit vers sa dernière demeure, le Carré des Héros de Chesterville, un township aux portes de Durban. En Égypte, dans l'optique de bâtir une grande coalition afin de lutter contre l'État islamique en Irak et Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry a été reçu vendredi au Caire par les autorités égyptiennes. Le chef de la diplomatie américaine a fait le déplacement pour solliciter la contribution de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme. Les détails avec Uriel Abaga. L'Égypte a rejoint la coalition anti-djihadiste samedi. L'accord a été trouvé au cours de la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Caire.
Le chef de la diplomatie américaine a déclaré, à l'issue des entretiens qui lui ont été accordés par Abdel Fattah al-Sissi et Sameh Choukri, que l'Égypte est en première ligne de la lutte antiterroriste. L'Égypte, capitale intellectuelle du monde musulman, possède aussi la plus grande armée du monde arabe. Elle va contribuer par sa logistique à venir à bout du mouvement islamiste qui sévit en Irak et en Syrie. Nos conversations se sont aussi concentrées largement sur notre combat commun contre le terrorisme et l'extrémisme. L'Égypte est en première ligne face aux menaces extrémistes, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les groupes extrémistes dans le Sinaï. Toutefois, l'aide concédée par l'État africain est à minima. À l'image de la Turquie, l'Égypte s'est engagée dans la lutte contre le terrorisme, mais a indiqué qu'elle n'apportera pas de soutien militaire. Le président Abdel Fattah al-Sissi a indiqué que son pays n'interviendra militairement qu'en cas de menace directe à sa sécurité nationale. Le Caire impose de manière implicite une amélioration des relations bilatérales avec Washington pour s'impliquer totalement dans la lutte contre l'État islamique. En effet, les États-Unis ont gelé l'aide militaire à l'Égypte, toujours en lutte contre les djihadistes qui se sont établis dans la région du Sinaï. Et puis, la 16e édition du Techno Parade de Paris avec son défilé d'impressionnants sound systems a battu le pavé parisien ce samedi 13 septembre. Pour cette édition où l'Afrique et le Vietnam étaient à l'honneur, l'on note un plus grand nombre de participants qu'aux précédentes années. Reportage. Environ 350 000 personnes, c'est le nombre de participants qui a pris part à la Techno Parade de Paris, organisé ce samedi avec pour invités spéciaux le Vietnam et l'Afrique. C'est donc, selon les organisateurs, l'une des meilleures fréquentations à cet événement. Pour donner le coup d'envoi de la marche en début d'après-midi, on a eu droit à une version révisitée de la Marseillaise. La première participation de l'Afrique, quant à elle, a été très appréciée avec le Kuduro, ce mélange de musique traditionnelle africaine et de techno qui a été présenté sur l'un des 10 chars aux milliers de jeunes participants. C'est la première fois que l'Afrique participe à le grand festival Techno Parade. Franchement, on est super content parce que le public nous reçoit comme il faut. Il y a l'ambiance. Coup de chef, coup de maître. C'est ce que l'on retient de cette première participation de l'Afrique à ce festival culturel en France. Si la culture est notre identité, les Africains ont le devoir d'en être fiers et la valoriser partout dans le monde. Cette 16e édition de la Techno Parade de Paris a donc servi de cadre pour davantage promouvoir la culture africaine. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain 13h. Au revoir.